Lumière TV filé bagaw am ni ñakuma maliko no maliko ka aw ni ci aw ni sokol me Lumière TV la chou an kile wal sa ka aw kuna funia femi aw kuna funu wati o selini état major général des armées ye kuna funi dobla utukalo kle nani sa ba flan mu ganani femi ba matio ye cheni ke tagalut dun gon nana aw ni ni anga jega amadou salature ñini no leje ñoo fe rasou kanyema ya so ya dira ka foko mali dugu do be nda bi kidal marala ko wuli ka jokera majugo fo kanyesa ma ka cheni ke Dugin cheni kele kon akonna na kofe ku ya jira ka fo ko ma kelen de turala ani do banana ani minan chama chena mombilu do fana be urufana chena dugudo kon dudo konnana o duguina wa ku bora duguina ku nyesi duguwaruma utaru dugenno wa anyaye fana mali maudo beno ndo ya befumu mako gacha ulufana yo communiquer do ke ga jira ka fo ku do ga dugu bi yoro yoro ku baye ko chini bi ke ga nyesuma ko wuli ga joka ke jona ko kan da gun koyin ka da vraiment astrala parce que ko ulu katsirati ko la ko mimbe ga ke mimbi sa ke juga ye kanyesi uluma ninde kunye kuna funu ye anya munu soro anga chama che fanga nyamo go yo kuna funu dobla utukalo klinani samba fla ani mugandani o kuna folu bolla femi ye nyani ya mi taraka nyeshi anga keleke choma au ni anga jega amadu sanye ni nole nyongo fe ikrani ya jamana jamana mi ya kademe takanye si turulisu mame manga jamana kono ode kama mali nyamo yo komunikeke komunike kalana anga jabani so sanfendo yo ortemi anga jeka anga porte parole noy mali porte parole yo kalame nyongo fe au nom de nos plus hautes autorités j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 068 du gouvernement de la transition communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzawaten, ainsi que les dégâts matériels. Ces propos ont été renforcés par M. Youri Pivovarov, ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, qui a ouvertement et sans la moindre équivoque affiché le soutien de son pays au terrorisme international, particulièrement au Mali. Pire, dans leurs commentaires, ces officiels ukrainiens ont annoncé d'autres résultats à venir. Ces affirmations d'une extrême gravité n'ayant fait l'objet d'aucun démenti ni d'une condamnation de la part des autorités ukrainiennes montrent un clair soutien officiel du gouvernement ukrainien au terrorisme en Afrique, au Sahel et plus précisément au Mali. Après un examen minutieux de la situation, le gouvernement de transition de la République du Mali souligne que les actes posés par les autorités ukrainiennes viole la souveraineté du Mali, dépasse le cadre de l'ingérence étrangère, déjà condamnable en soi, et constitue une agression caractérisée du Mali et un soutien au terrorisme international, en violation flagrante du droit international, y compris de la Charte des Nations Unies. Le gouvernement de transition de la République du Mali condamne fermement une agression ukrainienne et dénonce cette hostilité des autorités ukrainiennes à rebours de la position de neutralité observée par le Mali, qui a toujours appelé à un règlement pacifique de la crise opposant la Fédération de Russie à l'Ukraine. En outre, le gouvernement de transition de la République du Mali adhère totalement au diagnostic établi par la Fédération de Russie, qui a pourtant mis en garde le monde depuis des années sur la nature néo-nazie et scélérate des autorités ukrainiennes, aujourd'hui alliées du terrorisme international, loin des aspirations de paix et de stabilité du peuple ukrainien. Suite à l'implication reconnue et assumée de l'Ukraine dans l'agression caractérisée du Mali, le gouvernement de transition de la République du Mali décide des mesures suivantes. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène du théâtre. Je répète, 1.
la rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. Je répète pour une dernière fois. 1. La rupture avec effet immédiat des relations diplomatiques entre la République du Mali et l'Ukraine, cette dernière dont les destins sont malheureusement confiés à des pantins confondant la scène internationale et la scène de théâtre. 2. La saisine des autorités judiciaires compétentes suite aux propos de M. Andriy Youssov et Yuri Pivovarov qui constituent des actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme. 3. La prise de mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation du Mali à partir d'États africains, notamment à partir d'ambassades ukrainiennes installées dans la sous-région avec des terroristes déguisés en diplomates. 4. L'alerte formelle aux instances régionales et internationales ainsi qu'aux États qui soutiennent l'Ukraine en leur indiquant que ce pays a ouvertement et publiquement affiché son appui au terrorisme. Par conséquent, le Mali considère le soutien à l'Ukraine comme un soutien au terrorisme international. Le Mali en appelle à la responsabilité de la communauté internationale face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme dans un contexte mondial où l'unanimité est faite sur l'impératif de combattre ce fléau. Le Mali interpelle en particulier les États et les peuples africains épris de paix à dénoncer ces actions subversives qui menacent la stabilité du continent africain. Le gouvernement de transition de la République du Mali réitère ses remerciements aux pays amis du Mali qui ont manifesté leur solidarité face aux attaques terroristes perpétrées avec le concours de sponsors étrangers. Le gouvernement de transition de la République du Mali note que cette agression entretenue par l'Ukraine s'inscrit dans le schéma plus large de certains acteurs qui soutiennent activement et instrumentalisent les groupes armés terroristes, coalisés à des groupes rebelles, à des fins hégémoniques et néocoloniales, et pour briser la dynamique d'émancipation, de reconquête de la souveraineté et du développement socio-économique enclenché par la Conférence des États du Sahel, AES. Les actes d'agression, loin d'atteindre leur objectif, renforcent au contraire l'engagement et la détermination du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, AES, à poursuivre avec plus de vigueur leur marche résolue vers le raffermissement de leur souveraineté et la prise en main de leur destin pour le bonheur des populations de l'AES. Le Mali s'incline devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Sahel et réaffirme que les crimes perpétrés ne resteront pas impunis. Que Dieu bénisse le Mali et l'AES fait à Bamako le 4 août 2024. Merci de votre très aimable attention. Alisa ameto anga kuna fudu kono ameta Nigeria jamana konana Nigeria jamana deungi tagama kekle sabakonana utagama bula femi yegele ami ben Nigeria konana ni wakati na au dunia anga jaga amadu salature ganyendo de nyonga fe Nigeria geleya kuni be ni wakati na Nigeria kauka economy sirafe no soro sirafe okama Nigeria yebulika joke katama kekle sabakono okere sabe kamata ani saba obanoni na mata mambenana wa nyamro konendo ye Ahmed Bola Tinubu Abula ka kangari madake ka nyini jamana deun yekuka sigi kafoke kuka usatama ni ani joliboy kuka adabla kuka je uka sigi uka hakina ujira nyona misaka to gela ubakono waya jira kafoko aliko ni kawulika jo beneme kademe ani demedeme ka kanyesi ni jara ka deuma wala soka lafia me min koni ye kuna funye dron nigeria kamoko koni ulika joke ku luti kuma ndabla ku ti bara ndabla ku ti ulika jo ndabla ku ti taka sigi ndabla ku ti tama ndabla sabla ko Ahmed Bola Tinubu no Nigeria president ko akili ba yara drone la ko obi kuma kuma fo ko okuma no atushi lajali atshite time la rudo la rudo mishite time donc akoni ukoni yewulika jo ko nalaso na makuta dabla bi uta dabla shini donc akoni ye galaya bibina galam bi Nigeria ko general Abdurrahman Tchiani mi ye Niger president ya ayela se dobla o la se konana akuma na sedia wo are ayesi ko ka audi ne anga jega Amadou Sala Touré ga nyinilo
Niger président do e général Abdourahmane Tchiani a koni ye wuliga joke ka kuma ke kanyesi koma komi mbewele ko sediawo ko ani aesco aya jira ka foko ulu bora sediawo parce que sediawo galea tsuko benyini kanyesi Niger ma wala san Niger ga segi jonya ani abifo min fanama ko cheni serafe odela ulu ye hakina soro hakina nyuma miyato nu ulu tara aesi sigisenka ulu ni mali katafara burkina ka mimbi sekato lafia oni hakili sigi obeseka na Niger jamana kono ani Niger yang bele jeliye au nini alisi sa anga doke anga ba mali baye alaka be ani kelia sigi anga jamana kono wala ni be danke anga bi kuna fununa au ni che au ka kuna majol lawa au kambe wakati were balma keu balma mso electronic mina de jorobi aula eh o bana peu walma sokono mina o misiri kono mina o studio mina o salle de conference mina o fukata se baful mina o ma moko kelempe soro ro kelempe hate fune dumasi che mamutu o traware yele electronique aflani nibura membo sirafara la kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi i côté gauche laje yele electronique che mamutu traware iba soro yenu imo go menace minaw minama aminon bele jeli be inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma Maoma be ki ba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele electronique chez Mamutu Traoré Kayorola Nie nyoro me bla change kru sa fe te geta ira suni ne weche fune dimashi otmana sa ambele jeli ka wulika joke anga Mamutu Traoré Kayoro segre yele electronique hatte